tout simplement, on a eu le soutien de la mairie, des parents d'élèves qui ont voté pour nous grâce aux réseaux sociaux. On a pu diffuser sur les réseaux sociaux, sur les journaux locaux, puisqu'on a eu un article paru chez nous, Le Petit Bleu. Et donc là, je suis en présence de monsieur le maire de Brax qui nous a beaucoup soutenus, lui et son équipe, pour voter. Oui, mais écoutez, je ne vais pas parler beaucoup, maire, ça parle beaucoup, je vais éviter. Simplement, félicitations, c'était normal, c'est vraiment un plaisir face à des projets comme cela de les soutenir. Voilà. Donc, c'était une évidence. Ça a symbolisé la reconnaissance de nos deux cuisinières. Donc là, on est en présence de notre chef de cuisine, Mireille, qui travaille au quotidien avec nous pour les enfants, avec des produits bio, locaux, voilà, on prône vraiment le bien manger avec la cantine. Et également la reconnaissance des parents d'élèves bénévoles, puisque nous sommes une asso de parents d'élèves bénévoles. Donc on donne tous un peu de notre temps, et donc du coup voilà, c'était vraiment une reconnaissance générale. Et je pense qu'il a fait du bien pour amener d'autres projets en vue sur l'année 2023-2024. Donc je pense qu'on peut remercier tout le monde pour ce concours, et on remercie un plus bio également de nous avoir permis de participer à ce concours, et peut-être dans les années à venir, qui sait, un autre concours arrivera au sein de l'asso.